vous souhaite à tous une agréable semaine. Faut garder le sourire tant qu'il y a la santé, tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'il y a la famille, tout va bien. Coucou, alors je reviens de course. Enfin, j'ai commandé comme d'habitude. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. Des moules cuisinées à la marinière. Parce que ce soir, je vais les faire avec des frites. Alors, ça se fait au micro-ondes en 3 minutes. C'est délicieux. Il y a dedans des moules cuisinées sont élevées aux filières dans la clarté et la fraîcheur des eaux de mer. D'accord, mais ça, on s'en fout. Tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'il y a dedans. Il y a tout simplement de l'oignon. Voilà, il y a de l'oignon. Regardez, c'est à la marinière. Hein. Franchement, c'est délicieux. Voilà, 3 minutes au micro-ondes. C'est une tuerie. Je vous le recommande à 100 000%. J'ai pris des pressades, alors c'est des jus de fruits pressades bio à l'orange pour le matin, parce que tout simplement j'ai pris des petits berlingots comme ça, parce que moi une bouteille ça ne me fait carrément, ça me fait même pas la, ça me fait plus que la semaine quoi, et je gaspille. Donc là je me dis au moins je prends ça, une petite dose le matin, ça me fait 6 jours et c'est parfait. J'ai quand même pris, quand mon fils va venir, du Joker Fruit, un orange. J'ai payé ça 2 euros, je crois, même pas. Je ne sais plus les prix, en fait. Ça, j'ai payé 3,40. Les moules. Mmh. Et ça, j'ai payé ça, je ne sais plus, 2 euros, quelque chose comme ça. Je ne sais plus le prix. Une vinaigrette olive noire éteint. Je pense que ça doit être très, très bon. C'est original. C'est de chez Puget. Je l'ai payé 2,40. Franchement, j'ai hâte. Je vais mettre ça dans mes petites salades, dans ma salade d'endives. Je vais mettre ça dans mes tomates. Voilà, je vais m'en servir vraiment. Franchement, ça a l'air super sympa et c'est 33 centilitres. 2,40 euros. J'ai pris, comme d'habitude, hein, avec 20% offert, j'en ai eu pour 6 euros les 3. Ça coûte 3 à 4 euros une boîte et là, j'en ai eu pour 6 euros. Du coup, là, je suis très contente. C'est des courgettes cuisinées à la provençale. C'est une tuerie. Quand vous ne savez pas quoi faire le soir, vous faites des courgettes comme ça. Vous les mettez dans la poêle et vous cassez des œufs dessus. C'est délicieux. Franchement, c'est super bon. Voilà, moi, je vous le recommande. Quand vous êtes pressé ou alors carrément de la courgette comme ceci avec un petit morceau de viande. Voilà. Mais franchement, c'est un très bon légume. Même mon fils l'a adopté. Il adhère. Et franchement, c'est trop bon. Mais on en trouve difficilement. Alors, j'ai repris, parce que j'adore les petits pois casse-grains, 1,10 €. Voilà, j'en ai pris 2. Et j'en ai pris 3. Parce que ça part très très vite et j'adore ça. Je mange ça avec des œufs, du poisson, de la viande. Voilà, j'aime beaucoup parce que c'est un peu sucré et moi j'aime bien. Et il y a le petit morceau de salade avec que j'adore. Hey, Vivien, viens mon bébé. Ensuite, j'ai pris de la sauce tomate cuisinée. Je l'ai payé même pas 2 euros. Je ne sais plus combien je l'ai payé. 1,50 €, je crois. Tomate de 1,40 €, je crois. 1,46 €. Tomate cuisinée, tomate de saison. Voilà, de chez Panzani. Pour mettre avec des spaghettis ou alors pour mettre avec de la viande ou de la viande végétale. Du haché végétal avec ça. C'est très, très bon. Et des petits oignons revenus. C'est parfait. Vous faites un petit hachis parmenté, une petite bolognaise à votre façon. C'est super bon. Ensuite, j'ai pris des saucisses. J'en ai eu pour 2,40 €. Voilà. J'ai pris des saucisses comme ceci. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elles vont aller avec le comté que j'ai payé 2,40 €. Elles vont aller avec le comté. Tout simplement parce que je vais faire revenir dans une poêle, je vais mettre des oignons, je vais les faire rissoler, les oignons bien, d'ailleurs j'ai acheté des oignons de Roscoff, voilà, des petits oignons bretons, Roscoff c'est breton, je crois, voilà, c'est des oignons roses, c'est pas les oignons, je vais les goûter, donc je vais les faire revenir dans une poêle, une fois que j'aurai fait revenir ça dans la poêle, je coupe mes petits morceaux de saucisse en rondelles, je les mets dans la poêle, et je rajoute du comté dedans. Mais auparavant, j'aurais fait cuire des pommes de terre. Les pommes de terre, j'ai oublié. En fait, je fais cuire les pommes de terre, voilà. Avec les oignons, j'ai oublié. Je fais revenir les oignons, je fais cuire les pommes de terre. Une fois que j'ai fait cuire les pommes de terre, je rajoute les saucisses. Et après, je rajoute le morceau de comté entier. Hein. Oh, mais c'est une tuerie. Hein.
Voilà, avec une petite salade d'endives ou une salade fraîche, c'est délicieux. Je ne vous dis que ça. Ensuite, j'ai pris de la mayonnaise parce que, en fait, j'aime bien agrémenter. Ah, j'ai tellement de choses dans mon téléphone que je suis obligée de le vider tout le temps. Donc là, j'ai pris de la mayonnaise tout simplement parce que j'aime bien agrémenter avec des fois de l'huile et du vinaigre, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et je rajoute de la mayonnaise et je me fais une petite sauce vite fait. Voilà. Et franchement, je l'ai payé quoi, 80 centimes ou je sais pas combien. Voilà, mais franchement, elle est impeccable. Ça suffit amplement. Ensuite, je me suis pris fleurimichon, les noix de Saint-Jacques et ses poireaux et champignons. Alors, je regarde la date. Parfait, au mois de mai. Voilà. Si j'ai pas le courage de manger, eh ben, je me mangerai ceci avec une petite salade d'endives ou une petite salade tout simplement. Là, en l'occurrence, ce sera des salades d'endives parce que j'en ai acheté pas mal. J'ai payé le 5 kilos, je les ai rangées là 1 euro. Voilà, et eh ben ça, je vous recommande quand vous savez pas quoi faire. Par contre, il faut voir le taux de sel, mais je me dis que le taux de sel... Non, 1 gramme, ça va. Voilà, donc je peux le manger, 1 gramme, ça va. Faut pas en manger tous les jours, mais ça va quoi. Donc voilà, ensuite... J'ai trouvé cette petite saucisse. Bah oui, voilà, enfin, non. Sybille, complètement dérangée du ciboulot, mais c'est pas grave. Vous me connaissez, hein, je prends le mot starbé, c'est moi. Elle fait n'importe quoi, parce que saucisse. Voilà, alors, la sauce goustec et oignon. Mais franchement, mais ça doit être une tuerie. Franchement, ça doit être trop bon. Oh, mais Ivy, elle mange ma ciboulette. Ivy, elle mange ma ciboulette. Oh, je sais pas si je peux vous la montrer. Vous la voyez? Oh, bah non, alors là, vous la verrez pas. Ivy, viens. J'ai fait tomber mon miroir. Oh là là, mais je fais tout tomber, moi. C'est une cata. Tout ça parce que je voulais vous montrer Ivy. Elle mange ma ciboulette. Ça va, c'est bon, la ciboulette? Ouais, ça a l'air bon, hein. Mais elle a besoin d'herbe à chat, hein. Donc ça, je vous le recommande, franchement. Et je voulais regarder ce qu'il y avait dedans. Eh ben, on saura un autre jour. Mais c'est pour steak, goût steak et oignon. Ben voilà, mais je pense que ça doit être sympa. C'est tout nouveau. Bénédicta. 2 euros et des bananes. La feignasse que je suis, parce que je suis une vraie feignasse, ça, faut pas se leurrer, hein. Je l'ai toujours dit, hein, que je suis la feignasse de service, hein. Je ne bouge pas de mon canapé, c'est n'importe quoi, il va falloir que je bouge mes fesses. Bolino, je sais bien que tu l'adores. Bolino, et qu'elle a de jolis yeux. Vous êtes sûr que c'est ça, Bolino, je sais bien que tu l'adores. Bolino, si ça doit être ça. Eh bien, Bolino États-Unis, pasta cheese. Et si vous voulez mettre de la viande, vous rajoutez de la viande, du jambon tout simplement, mais, ou des lardons. Mais voilà, moi je mangeais ça quand je suis une feignasse, vous mettez juste de l'eau dedans. Et allez hop, c'est pesé, vous mettez ça au micro-ondes, 3 minutes, et allez hop, vous êtes tranquille. Non, 5 minutes, et après vous êtes tranquille, vous mangez ça un soir, tranquille, devant la télé. Des œufs. Alors, j'ai acheté des œufs, j'en ai eu pour 1,80€. Ce sont des œufs, gros œufs plein air. Alors, comment vous dire, 27 avril, ils abusent. Recette numéro 19, bref, voilà, des gros œufs. Pourquoi? Parce que je vais me faire une chouchouka. Mais à ma façon, c'est-à-dire que je vais prendre les poivrons rouges, je vais les éplucher, parce que je ne vais pas les griller, hein, je vais les éplucher, je vais les faire revenir, griller dans la poêle avec un peu d'ail et de l'huile. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais les écraser et je vais mettre de la pulpe de tomate dedans, ou des tomates fraîches comme on veut, de la ciboulette, et je vais rajouter après, je vais casser mes œufs dessus, voilà. Ce sera ma chouchouka Sybille à moi. C'est une amie qui me l'a fait, mais elle n'avait pas mis les œufs. Mais moi, je vais rajouter les œufs. Et en plus, moi, je l'ai mangé froid. Hein. Je l'avais mangé froid, je l'avais pas mangé chaud. Hein. Donc peut-être je vais faire ça. Je vais faire une chouchouka, mais sans que ce soit chaud, que ce soit froid, quoi. Avec le poivron, la tomate et les oignons et l'ail. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Mais pourquoi j'ai acheté autant? Ben, parce qu'il n'y a plus de matière première, il n'y a plus de pâte à papier. Donc, on va plus avoir de mouchoirs. Et moi, je vous le dis, moi, je m'en fous. J'en ai rien à faire, je suis égoïste. J'ai pris 3 paquets. 1,10€ le paquet, il n'était pas cher. Donc, c'est la marque Kleenex. J'ai pas hésité une seule fois. 1,10€, franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer.
J'ai pris ceci. Pourquoi j'ai pris ceci? Pour mes fesses. Parce que moi, j'adore la marque Fessnet. Et franchement, ça me fait des fesses toutes douces. Et c'est le seul... Autant celui à l'aloe vera lotus, je ne le supporte pas. Autant celui-là, il mérite. Autant celui-là, je le supporte très bien. J'ai toujours mis dans mon sac. Et là, ils en faisaient des gros. Du coup, il y en a 50 dedans et je l'ai payé 2,20 €. Ensuite. Des frites. Je rigole de mes conneries. 2,10 € les frites à faire au micro-ondes. Parce que je vais manger les moules que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, donc je vais manger des moules frites une fois. Ou alors ce soir, demain midi peut-être, je sais pas. Voilà, des moules frites. 2,10 €, c'est super simple. On ouvre ici, on met du sel. Il y a le sel déjà prévu. On met du sel, hop, et on ferme bien parce qu'il y a une sorte d'aluminium dedans. On ferme bien. Et après, on met 3 minutes au micro-ondes. Et je ne vous cache pas, c'est 3 minutes ou 2 minutes 30, je ne sais plus. Et je ne vous cache pas que c'est super bon et que ça les fait croustillantes. Ensuite, j'ai pris des coca. Alors, à Intermarché, ils étaient à 3,04 €. Non, mais franchement, n'importe quoi. Là, je les ai payés 2,99 €. Vous me direz de 99. Non, ils étaient à 3,44 €, pardon, à Intermarché. Je dis, mais rêve ou quoi? Et voilà, du coup, 2,99 €. Ensuite, j'ai tout montré, je crois. Non, pas encore. Hein. Ici, vous avez du Pago. Alors, le Pago, je l'ai payé 2 €. Je l'adore. Alors, c'est fruits exotiques, j'en bois tous les matins. Mais sachant que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, ça me fait... plus d'une semaine, et on ne peut pas le garder plus d'une semaine. Là, j'ai pris des capellini numéro uno. C'est des pâtes toutes fines qui cuisent très très vite. Elles cuisent en combien de temps? 3 minutes. Voilà. Et là, vous avez des spaghettini numéro 3. Voilà. Et là, par contre, elles cuisent en 8 minutes, non? 5 minutes. Ensuite, j'ai pris... Alors, je vous montre. Voilà. Je l'ai tout mis comme ça parce que j'ai pris des oranges. Des oranges de table. Des grosses oranges de table. Voilà. Donc, les poivrons. J'ai payé cher. Voilà. Des gros poivrons, mais vous pouvez y aller. Ils sont costauds. Des fraises. Je voulais des fraises. 1,99 € les fraises. Alors, vous savez quoi? Les fraises me donnent des boutons, mais je m'en fous. Parce que c'est pas une allergie grave, ça me donne juste des boutons, ça me gratte partout, le visage surtout là. Moi, les fraises me donnent des boutons ici et là. Una granada. Granada. Ça, vous mangez ça le matin. Vous le mettez, mais moi perso, je le mets avec de l'ananas et vous rajoutez de la grenade. Et j'ai pris un ananas. Alors, l'ananas... pareil, c'est un bel ananas, c'est pas un petit ananas, je l'ai payé cher aussi. Alors, ça, c'est des trucs que j'étais cher que je préfère pas vous dire le prix. Voilà, quoique je l'ai payé 3 € en fait. Mais il est petit, hein, mais c'est une marque de je sais plus quoi, vous voyez, il est tout petit. Je sais plus c'est une marque, je sais plus ce que c'est comme marque. Mes oignons. Ding, ding, ding. Des bananes. Et une banane rose. J'avais jamais vu ça, une banane rose. Et bien sûr, elle est déjà, elle a bien commencé à la manger. Hein. Je sais pas si c'est dangereux pour elle. Hein. Voilà. Et la ciboulette, 1,20 €. Voilà toutes mes courses du jour. Je suis désolée, j'ai oublié une chose. Ceci, c'est le sopalin. Je l'ai payé 1,60 €. Ou je sais plus combien. Voilà. Mais il est génial. Oui, il va avec chez moi. Il va chez moi. Pourquoi? Et parce qu'en fait, c'est un système comme ça. Regardez, quand vous avez qu'une main, j'ai qu'une main là. Voilà, vous sortez comme les Kleenex. C'est génial, hein? Voilà, et vous sortez juste une feuille. Et franchement, c'est super. Ça évite le rouleau et c'est super bien arrangé. Moi, j'adore, je prends que ça comme sopalin et c'est la marque OK. Voilà, voilà. Eh bien, vous voyez tout ce que j'ai acheté. Voilà. Ça, c'est pas mal, hein? Voilà, toutes mes courses que je vais ranger. Voili, voilou, la ciboulette. Voili, voilou, mais j'espère que ça vous aura plu. Si ça peut vous donner des idées, tant mieux.
parce que c'est bien, on est là pour donner des idées aussi, de recettes. Je me suis aperçue que j'allais trop vite quand je faisais les courses. Tout le monde me disait, ouais, mais on voit même pas tes courses, tu les montes même pas. Regardez comme ils sont beaux. Les poivrons, franchement, ils sont trop beaux. Et les oranges, ouais, avec une orange, tout s'arrange. Si ça pouvait être comme ça, pour tout. Ciao. Je vous dis pas de vous abonner, parce que faites ce que vous voulez. Merci à mes nouveaux abonnés, parce que franchement, je ne m'en rendais pas compte là, mais ça monte, et ça me fait super plaisir. Je vous embrasse très fort. I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Ti amo. Bye bye. Abonne-toi et active la cloche.